Beaucoup de gens veulent commencer la vidéo, la vidéo, la photo, faire du contenu pour YouTube, pour Instagram, pour TikTok ou pour je sais quel autre réseau et me demandent à moi quelle caméra j'utilise. Tu vois, parce que mon contenu est, est pas mal, mes vidéos, les photos sont bien, mais le problème, les gars, c'est que la vidéo, c'est mon métier. D'accord ça veut dire que j'ai pas une caméra à 1000 euros j'ai pas une caméra 2000 euros j'ai pas une caméra à 3000 euros j'ai une caméra bien plus chère que ça d'accord parce que c'est mon job c'est mon taf et bien entendu je vais pas te dire d'acheter une caméra cinéma comme moi ok donc j'ai trouvé la gamme de caméras ultime qui est faite pour tout le monde et qui est prête pour tout le monde Et bien entendu, on va parler du Sony A6400 et du Sony A6600. Il existait un entre-deux, un Sony A6500. Il existe encore, euh, peut-être sur Le Bon Coin ou Amazon ou les Black Market. Mais le Sony A6500, c'est euh, un entre-deux. enfin C'est comme la A6600. Je vais te détailler les deux caméras. T'inquiète pas, on y vient. Mais c'est des caméras qui sont très très bien, abordables pour un amateur et. Ce qui est bien et la touche que j'ai envie de dire c'est que c'est une caméra que tu peux transformer en caméra pro pour faire du pro, d'accord Ça veut dire que si tu vas acheter une caméra pour te filmer, pour filmer euh, des gens et pour être pro par la suite, eh bien, tu peux parce que tu peux créer un setup professionnel avec. Alors, je vais pas te parler de la taille du capteur, de tout ça, de rentrer dans l'appareil, de te dire des specs où je lis la description du produit. Non, je suis là pour te dire est-ce que c'est bien ou pas, d'accord, et comment j'utilise et les images que tu peux faire avec. Je suis là pour ça. Pour moi, c'est simple, c'est facile et efficace. Si tu veux une review où tu rentres dans l'appareil, il y a d'autres vidéos qui sont faites pour ça. Comme je sais que quand on cherche un produit, on regarde plein de vidéos pour avoir un avis, eh bien cette vidéo-là va avoir un avis terrain parce que c'est ce que je vais donner. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit Sony à 6400 à 6600 meilleure gamme de caméra pour commencer et aller beaucoup plus loin en vidéo entre le Sony A6400 et le A6500 et 600 il y a une différence bien évidemment et tu vas me demander pourquoi okay parce que d'avoir quoi entre 300 et 500 euros de différence tout dépend où tu l'achètes la grande différence se fait au niveau de la stabilisation d'accord la gamme A6500 et 600 ont un capteur stabilisé qui fait que quand tu as filmé quelque chose avec un objectif, eh ben, il y aura moins la sensation de bouger, tu vois. Et ça, c'est bien. C'est très, très bien. Ça sera plus stable, plus mousse. Ça sera bien. Le A6400, tu filmes à main levée. Ça va être compliqué. Il y aura plus ces tremblements que tu fais avec tes mains, sans le vouloir. Et ça peut être contraignant, d'accord Même si que tout ça se corrige si tu achètes un stabilisateur. C'est pour ça que je conseille à tout le monde. De prendre un 6400, déjà il est moins cher. Et en plus de ça, tu prends un stabilisateur qui sera moins cher que 500 euros et tu seras bien, d'accord Tu auras des bons mouvements stables et professionnels. Il y a aussi un autre truc qui change c'est la batterie qui n'est pas la même. La batterie du Sony A6600, c'est une batterie que tu trouves dans la gamme supérieure de Sony, les gammes A7, il me semble, d'accord Donc, c'est des batteries qui tiennent beaucoup plus longtemps, plus résistantes et dans la journée ben, c'est bien d'accord même si que ça pour moi c'est pas trop un argument de vente dans le sens où moi dans toutes les caméras que j'ai eues, j'ai cinq caméras, j'ai toujours eu des batteries supplémentaires d'accord ça veut dire que si je fais un tournage en général, je pars avec deux ou trois batteries donc j'ai un Sony à 6006 ou à 6004 J'aurai toujours une batterie supplémentaire, donc pour moi c'est bien, mais c'est pas un argument de vente. C'est d'ailleurs aussi un appareil excellent pour le vlog. D'ailleurs, je t'ai fait un petit test. Petit test du Sony A6600 en mode vlog. Alors pour ça, j'ai équipé le Sony d'une petite poignée et d'un micro. De toute façon, je te montrerai tout ça après. Là, je te montrerai l'avantage du capteur stabilisé de l'appareil de mon Sony A6600. Là, tu vois, je peux marcher. Hop, je peux marcher, on voit que je suis relativement stable, ça bouge un peu, mais ça va. Ça, c'est grâce au capteur stabilisé. Déjà un objectif non stabilisé. Ce qui fait que si j'avais un sonnet à 6400, et eh ben, ça aurait fait un truc comme ça, tu vois Un truc où ça bouge beaucoup. Et ça, bah, c'est chiant en mode vlog. Tu peux pas faire beaucoup de vlog et c'est compliqué. Là, j'ai mis aussi un petit micro histoire que le son soit cool, soit top. J'ai mis un Rode VideoMic Pro Plus. C'est mon micro que j'utilise pour mes tournages professionnels et que j'utilisais avant pour YouTube pour mes propres vidéos. Et franchement, le résultat il est cool. Il y a juste un truc qu'il faut faire attention c'est que quand tu filmes avec cette caméra, Sony a 6000 ou A6400, c'est que tu as un écran au-dessus, tu vois. il faut regarder l'objectif et pas l'écran. Je sais que c'est dur, c'est. Une prise en main à avoir mais regarde là je regarde à l'écran d'accord on a l'impression que je regarde au dessus et c'est pas immersif c'est pas aussi immersif que comme si tu regardais l'écran parce que là tu t'adresses vraiment aux personnes qui te regardent tu vois et ça c'est dur c'est une prise en main à voir mais c'est de l'entraînement donc voilà pour le vlog alors la configuration de la caméra elle est comme ça d'accord elle était comme ça pour le vlog parce que euh, voilà déjà je t'expliquais plein de choses il y a un écran orientable hop qui est comme ça qui est bien c'est à dire que quand tu filmes tu peux bien voir d'accord et euh, là le micro il est sur le côté avec mon pied je veux dire pourquoi parce que la griffe du micro elle est là tu vois elle est juste au dessus ce qui fait que quand tu mets ton micro bah tu peux pas te voir et ça c'est une erreur que sony a fait pour moi d'accord c'est une grosse erreur mais c'est une erreur que tu peux euh, rattraper avec ces genres de pieds là ou alors il y a des cages qui recouvrent ta caméra, ou tu peux mettre le micro sur le côté tu vois comme ça tu peux te voir à l'écran mais voilà cette gamme de caméras va t'obliger à acheter un accessoire pour bien placer ton micro mais bon une fois que c'est placé après ben, c'est pas grave hein, c'est pas grave c'est pas c'est pas contraignant pour moi clairement alors c'est une petite caméra facile, compacte, qui rentre dans la poche sans objectif Et qui est facile à utiliser et prêt à l'emploi Ce qui est bien c'est que ça fait partie des cams où quand tu vois quelque chose Et ben tu l'allumes, tu l'utilises directement Alors que la caméra qui est devant moi, tu vois qui est une caméra ciné Je suis obligé de faire quelques réglages avant, prendre du temps Et ça parfois c'est contraignant tu vois Mais bon c'est la caméra qui est comme ça Or qu'avec ça ben, on est très réactif avec ce Sony là Et ça c'est bien on perd pas de temps Hormis, c'est sur un projet pro et si voilà tu veux travailler en manuel, oui, en full manuel, oui. Mais le mode automatique est bien. L'autofocus est très rapide aussi. Et ça, c'est bien. Moi, sur ma caméra, sur mon Lumix, l'autofocus, il ne faut pas l'utiliser. L'autofocus, je rappelle, c'est le fait d'être net à chaque fois. Tu vois, là, je, tu vois, tu suis net. Si je me lève et je m'approche de la caméra, ben, je serai flou. Tu vois Or, que cette caméra-là, elle va te faire un suivi au niveau du visage, au niveau des yeux, pour être précis. Est très très bien en général ben t'as pas trop de soucis avec l'autofocus moi j'en ai eu un peu je te cache pas et ça m'a saoulé clairement mais pour un autofocus en général et eh ben c'est très très bien d'accord c'est très très bien et c'est un autofocus fiable pour moi même si j'ai pris l'habitude de filmer en manuel j'ai pris l'habitude de pas avoir une micro perte de focus donc moi je reste très pointilleux sur ça parce que voilà j'ai une caméra pro j'ai après un film en manuel sans autofocus donc euh, voilà je suis très pointilleux par rapport à ça. Par contre je suis dégoûté parce que je voulais te faire un projet pro avec mais euh, j'avais pas de projet pro qui était dans la timeline euh, de l'utilisation de cette caméra là donc euh, ça fait plus longtemps que je l'ai hein, ça fait plusieurs mois que je l'ai mais ça fait depuis seulement une semaine que j'utilise que j'emmène avec moi à la salle, que je fais des petits plans, des petits trucs. Et franchement, je la trouve cool cette caméra. Je la trouve vraiment cool. Je vais faire des petits vlogs avec, des petits trucs, mais je ne sais pas si ça va se faire. Mais euh, franchement, c'est une bonne cam, d'accord C'est une bonne cam et c'est une cam que je conseillais à tout le monde. D'accord Tous les gens qui m'ont demandé, tu conseilles quoi en caméra en vidéo Tu conseilles quoi en photo cette caméra, c'est un hybride entre vidéo et photo de qualité. Là, je vais t'apporter mon retour personnel un peu sur euh, l'utilisation d'une caméra pour se filmer soi-même. Parce que si tu veux une caméra, je pense que c'est parce que tu veux te filmer toi-même et pas filmer les autres. Enfin, si tu veux une caméra de type Sony A6000, je vais te donner des conseils et des trucs qu'il faut que tu saches avant d'acheter ça. Parce que c'est une caméra qui est un peu plus de 1000 euros, d'accord ça veut dire que si tu es intéressé par ça, c'est que tu as réfléchi un minimum. Tu t'es préparé psychologiquement à dépenser 1000 euros pour une caméra, ce qui est énorme, ou un peu plus de 1000 euros pour une caméra, ce qui est énorme. Sache que ce n'est pas la seule chose que tu vas dépenser, d'accord Tu vas dépenser ta caméra tranquillement, tu seras bien, tu seras content. Tu auras un objectif à acheter aussi, d'accord Celui-là, il me semble qu'il a 300 euros, ok Tu as des objectifs qui sont vendus avec des avec ta caméra avec des caméras que tu prends mais faut voir si cet objectif là sont des objectifs de bonne gamme d'accord et parfois les objectifs vendus avec les caméras c'est pas des bons objectifs donc tu vas rentrer dans un monde de dépenses qui sera incroyable ok parce que des objectifs tu peux en trouver à 100 euros et à plus de 10000 euros ok c'est très très large Sachant que 10 000 euros, il y en a qui sont beaucoup plus chers, mais bon, ça ne sera pas des objectifs qui seront adaptés pour toi, clairement. Je te rassure. Aux alentours, ce sera dans les 500, les 300, les 800, les 1200, et tu dépasseras pas ça en général, d'accord Sauf que tu es un vrai passionné, tu fais du cinéma. Mais bon, je pense pas qu'avec ça, tu feras du cinéma. Des grands projets, des pubs peut-être, mais du cinéma, non. Bon! Comme je t'ai dit, la caméra, ça a un prix. L'objectif, ça a un prix. Le micro pour le son, ben bien sûr, tu vas devoir le prendre. Parce que oui, le son du boîtier, il est bien, d'accord Si tu fais une vidéo, tu parles avec le son de la caméra, il est bien. Mais si tu veux qu'on t'écoute bien, si tu fais du professionnel, si tu fais du YouTube, si tu fais des, des petits courts-métrages et que tu veux un son propre, il te faut un micro. Peut-être pas ce micro-là, d'accord Mais il te faut un micro. Donc le micro, ça un coût. Le petit pied, si tu veux le tenir, le pied ou un gorillapod, peu importe, mais te faut un pied, ça aussi, c'est un coup. Le trépied, si tu te filmes en salle, il faut que tu poses ta caméra. C'est comme là, là, je me filme, la caméra, elle est sur un trépied. Donc ça, c'est un prix. Il faut le prendre en compte. Il faut prendre tout ça en compte. D'accord C'est important. Parce que moi, tu vois, je peux te dire achète une caméra, c'est trop cool, mais derrière... Pense à l'écosystème, pense à dépenser, euh, on va dire, au moins 800 balles de plus, d'accord, quand tu achètes une caméra. Sachant qu'il y a les cartes SD et j'en passe, d'accord Parce que oui, quand tu as enregistré tes vidéos en 4K, tu seras content. Toutes les photos, tu seras content, les cartes SD, les disques durs si tu veux tout stocker sur ton ordinateur, l'ordinateur performant si tu veux faire des gros montages. Tout ça, il faut le prendre en compte, bien évidemment. Niveau évolution maintenant, parce que comme tu le sais, tu peux upgrade ta caméra. Et ça c'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. Tu vois, tu changes d'objectif. Ta caméra peut être beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante, peut fournir une meilleure qualité d'image parce que c'est l'objectif qui fait tout pour une caméra. D'accord L'objectif t'apporte une bonne qualité. Bon après, bien sûr il y a tes prises de vue il y a les angles il y a tout ça mais l'objectif va te donner une certaine qualité d'accord en plus des réglages donc ça c'est bien tu peux investir dans des objectifs plutôt chers et plutôt polyvalents par exemple comme un équivalent 24-70 je te laisserai voir et comme ça ta caméra elle est bien ok pour tes clients pro bon tu vas venir avec une petite caméra qui est comme ça tu ne vas pas tu es une grosse caméra, le client va te dire bon euh, voilà tu vas lui faire un devis à 500 ou 1000 euros ou un peu plus cher il va se dire je paye 1000 euros pour avoir un petit truc, une petite caméra pas imposante et ben il y a des astuces d'accord tu peux rajouter un objectif un peu plus gros et une matte box et un moniteur et là ta caméra elle a la gueule, elle est un peu plus grosse un peu plus imposante et là tu es bien sachant que la matte box la chose qui est devant la caméra elle n'influera en rien sur la qualité de l'image. En vrai, c'est fait pour euh, cacher certains flares euh, du soleil ou des lumières et aussi mettre euh, des, des, des filtres à l'intérieur. Mais là, je, te, je pars trop loin et, et j'ai peur de te perdre, d'accord Mais ça donne de la gueule à ta caméra, ok Quand les gens ils voient ça, ils, ils, ils voient « budget ». Ils se disent avec ça, il va faire un film. Avec ça, ça va être différent. Tu vois, le client, il est content. Donc, quand tu as une petite caméra, tu peux user de ces petites méthodes pour la grossir. Même mettre une cage qui fait que la caméra est un peu plus grosse. Ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Parce que crois-moi, avec une caméra comme ça, tu peux faire des projets professionnels avec une très, très bonne qualité et toucher tes premiers euros avec. D'accord Bon, je ne vais pas t'apprendre à facturer et tout, mais tu sais comment ça marche. Tu fais du contenu pour toi de qualité, tu apprends à connaître ta caméra, ou alors tu filmes les autres pour apprendre à connaître ta caméra, comme j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. De base, j'avais une caméra pour moi, j'ai filmé les autres avec, j'ai appris à utiliser ma caméra en filmant les autres. Et euh, de base, je voulais filmer les autres pour mieux me filmer, tu vois. Et comme ça, ben, j'ai gagné de l'argent et j'ai euh, progressé, continué dans cette lancée, tout en me filmant toujours. Tu vois, donc j'ai pu rentabiliser toutes les caméras que j'ai achetées très cher. et ça j'en suis très fier. Et ce qui est bien c'est que c'est une caméra où tu peux aller très très loin avec jusqu'au niveau professionnel et si tu achètes une caméra haut de gamme de chez Sony et ben tu peux prendre cette caméra là en caméra B, en caméra secondaire parce que tu peux varier des profils d'image qui peuvent être plus ou moins pareils et ça c'est bien. Là aussi je te perds mais le plus important à comprendre en version simplifiée, c'est que tu peux prendre cette caméra, devenir professionnel dans la vidéo et acheter une caméra haut de gamme de la même gamme de cette caméra et toujours utiliser cette caméra-là pour d'autres plans sans perdre trop de qualité d'image. Donc voilà tout ça pour dire que le Sony A6400, A6600. Très bonne caméra, très très bon appareil photo. Je te conseille de voir les vidéos des photographes qui, qui utilisent le Sony A6400 et A6600. Ils font beaucoup de photos de rue. Tu as beaucoup de vidéos où les mecs qui sortent dans la ville le soir, ils font des photos avec, euh, avec cette caméra-là. Et franchement, c'est incroyable. C'est impressionnant comment c'est rapide et comment le rendu des photos est génial. Donc, si tu aimes la street photographie, si tu aimes les caméras qui vont très très vite, et eh bien, regarde, regarde ça. C'est facile à utiliser, c'est rapide. Et ces chaînes-là, elles sont très, très bien. La street photographie. Et sinon, je ne suis pas payé par Sony, d'accord euh, Ça, c'est une caméra que j'ai toujours voulu avoir, mais qui était très chère, malheureusement, pour moi. Donc, je me suis rabattu sur du Lumix, qui était <laughs> moins cher, qui était fait pour moi, qui avait un capteur plus petit que le Sony, et qui était, qui était abordable, d'accord Plus dur à utiliser. Mais plus abordable au niveau du prix, et bien entendu, j'ai choisi la difficulté. J'ai choisi de prendre du temps à utiliser du Lumix, mais euh, <laughs> faire des économies personnellement. Je verrai si je te parlerai du Lumix des trois caméras que j'ai en Lumix et de mon parcours avec Lumix. Même la caméra qui me filme, bah, c'est une caméra Lumix, d'accord. J'ai fait toute mon aventure Lumix. Je compte continuer dans le Lumix parce que voilà. C'est des bonnes cames, c'est des caméras que je comprends, des caméras que je maîtrise, pas à 100%, mais que je maîtrise pour faire n'importe quel projet, pub, euh, mariage, événement, peu importe, je peux le faire avec ça et je suis content et satisfait. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'ai utilisé pendant une semaine cette caméra-là, très bon rendu, très bonne caméra. Franchement, très pratique, petite, rapide, simple, efficace. Je verrai si je ne te ferai pas un projet pro avec et je te le montrerai dans d'autres vidéos YouTube ou bien sur Instagram. On verra. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram. C'est Dams Jordan. Et je te dirai ça, d'accord suis un peu mes stories parce que parfois, je parle de caméra. C'est cool. Si tu veux des renseignements par rapport à ça. Bon, sur ce, moi, je vais te laisse ici. Si tu aimes cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait très plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Si ce n'est pas fait, si tu veux plus de reviews caméra ou des reviews sur toutes les caméras que j'ai, ou même ma caméra cinéma qui est là, et eh ben dis-le moi, je te ferai ça sans problème. Bon, sur ce, moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.